Nathalie Malheur. Et que d'eau encore en ce début d'année, les précipitations sont incessantes. Les gars, vous avez fait plusieurs propositions d'activités. Mais il y a des activités qu'on ne peut pas faire parce qu'on est obligé de rester en intérieur. C'est alerte orange, il pleut, il fait mauvais. Tout ce qui est extérieur, c'est pas possible. Donc on va voir si on peut faire un karting d'intérieur demain et peut-être un cinéma. Parlant de cinéma, plusieurs fois vous êtes venu chez moi me dire on veut faire un film. Moi je dis c'est l'occasion. C'est l'occasion jamais de prendre les idées de tout le monde ici et on regarde ce qu'on peut faire. Prends note. Voilà, c'est réglé. On va faire un tour de table. Chacun à votre tour, vous sortez une idée de ce que vous aimeriez bien tourner. Moi comme idée, j'ai un voyage dans le temps. Moi, mon idée, c'était, vu qu'il y a une forêt à côté, on peut faire un film sur thème horreur. Moi, en fait, c'est de faire un cache-cache. Ouais. Ou par exemple, dans le film, on se cache. Et à chaque fois, au fur et à mesure, y en a qui disparaissent. La nuit, il vient, on doit se cacher, et la journée, on regarde, il risque. Yeah, khatar. Non, on lâche pas d'idée, oula. Vas-y, à toi. Moi, mon idée, c'est on prend l'histoire de Wassim et on rajoute le chalet où on vit. Et on fait une histoire fusionnée. Moi, j'ai pas trop d'idées. Moi, je dis on fait un truc sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle? Ouais, je trouve ça bien. C'est bien. IA. IA, ouais. On fait une course-poursuite. Genre, il y a une grande personne, il vient commencer à nous poursuivre. Et dès qu'il nous touche, eh ben on tombe. Et on fait genre un truc horreur comme ça. Un truc horreur. La thématique, tout le monde a choisi, tout le monde est d'accord. Hein. Un truc horreur. Vous voulez faire un truc horreur. Maintenant, Wassim, regarde ce que tu vas faire. Tu vas commencer par ce que tu vois dans l'histoire horreur. Et chacun à votre tour, vous complétez ce que le précédent a dit. Ça va? On a déjà fait ce jeu-là sur plein de trucs. Là, c'est sur cette thématique-là, horreur. Donc, Wassim, c'est à toi, tu commences. Ok. Du coup, moi, pour le début, j'ai une idée. Vas-y. On fait genre, t'as loué un chalet pour 3 fois rien. Très bien. Et pourquoi tu l'as loué pas cher? C'est parce qu'il est hanté et tout. Et sur la route, en arrivant au chalet, on tombe en panne. En fait, Waldo aussi, quand on dort, il se passe des choses paranormales. Et on compte faire une enquête pour découvrir ce qui se passe derrière tout ça. Moi, je dis par exemple, quand on cherche dans l'enquête, on avait mis des caméras pour trouver c'est qui. Ouais. Et à la fin, par exemple, c'était toi et 88. Ah, bien vu ça. Bien vu. Et à la fin, on réalise que le chalet, il était vraiment hanté. Donc, on croit que c'est moi et 88, et puis à la fin, il se passe vraiment un truc qui nous fait peur à nous tous, au fait. Ah. Même moi et 88, ok. Bien vu, les gars. J'aime bien l'idée de la fin, là. Vous êtes chaud? Vous êtes chaud pour qu'on fasse ça? Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti, les gars. Je fais rien de piscine dans le chalet. Et après, fermez-la. Faut trop de bruit, vous m'avez cassé la tête. Hein. Moi, j'espère que ça va pas être comme le dernier camp quand vous nous avez pas nourri pendant 4 jours. Dès qu'on va arriver au chalet, vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Doucement. Fermez-la, les gars. Waldo. Ouais. Un chalet. Oh, il est terrible, le chalet. Tu l'as payé ce prix-là? Je sais pas la vérité, j'ai lu les commentaires là en ligne. Sur le site là, et soi-disant comme quoi ce serait hanté. C'est pour ça qu'il a ce prix là, je crois. Bâti hanté? Non, hanté avec des fantômes et tout, des genoux et tout. Oui, ça. Oui, la classe. On est bientôt arrivé, il fait bientôt nuit là. Je sais pas, j'espère qu'on est bientôt arrivé là, en réserve des réserves là. Oui, non, sur Dieu. Non, pas maintenant. Oh non, il y a pas de sens. Je te jure, pas de sens. Oh non. Pas de sens. Ça a fait. On est dans la merde. Les gars, je crois que vous allez descendre pousser, on n'a pas le choix. Ben non, qui pousser, Waldo? Il fait nuit, ils vont pousser jusqu'au chalet. C'est quoi? Prends-les, à pied, et moi je vais m'occuper de la camionnette. T'es sûr? Ben ouais, on n'a pas le choix, hein. Qu'est-ce qu'ils vont pousser jusqu'au chalet? Ça fait 3 tonnes, hein, t'l'khara. Ah ouais, c'est tout, on n'a pas le choix. Les gars, descendez, on va marcher. Pas le choix. Les gars, il n'y a plus d'essence, on est en panne, on n'a pas le choix, on va aller à pied. Et 88, ce qu'il va faire,
il va s'occuper d'appeler un dépanneur pour la camionnette. Maintenant, suivez-moi, on marche, il n'y a pas le choix. Hé hey Waldo, on va passer par la forêt. Ouais, on n'a pas le choix, c'est un raccourci. Non, moi c'est mort, j'ai peur. Ne vous inquiétez pas. Et on fait comment On n'a pas de GPS. Ne vous inquiétez pas, je vous dis, je connais le chemin. Allez. Et on doit marcher encore longtemps. Il y en a plein, ils doivent taper des douches. Fermez-la, on est bientôt arrivé, maintenant vous la fermez. Voilà, on y est. Enfin. C'est pas terrible, les gars. Oh, il est incroyable, le chat. Incroyable. Khatar, hein. Ah, je prends la chambre la plus grande comme ça. Ah, d'ailleurs, il y a un train. Les gars, essuyez vos pieds. Moi, je suis crevé. Je vais aller dormir. Quand 88 il vient, vous me réveillez. Ça va? Les gars, installez-vous. Et donc, début de cette première période. Eh ouais, gros. Alors voilà la. Eh ouais, un foot. Ah, prochaine gifle. D'où je te gifle, c'est pas ma faute si il te gifle à FIFA 3-0. Moi, je me casse. Ah, casse-toi, là. Ah. Waldo. Quoi encore? J'ai accroché sur la plaque, Mohamed. Tout, je me suis ramassé une gifle par un homme invisible, un genoune. Si tu continues, ça va être ma main que tu vas ramasser. C'est une vraie gifle que tu vas ramasser, pas celle d'un fantôme. La mienne, elle est pas transparente. Vas-y, éteins la lumière et laisse-moi dormir. Ouais, t'as vu, t'es un padré. Je m'en fous, laisse-moi dormir. T'es un vrai padré. Intéressons-nous maintenant à la reproduction des mammifères. Nous avons ici l'exemple du cerf et de la biche. Donc nous avons l'accouplement qui est en cours de réalisation, où le mâle va sortir son pénis. Alors le pénis ne va pas sortir en permanence. Waldo, Waldo. Donc le pénis. Quoi encore? C'est pas possible. Waldo. Oh, vous allez me rendre fou les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'étais au canapé, je vois la bouteille commencer à avancer tout seul, elle a volé. Une bouteille, elle a volé toute seule? Ouais. Attends. Elle a volé comme ça. Éteins la lumière, laisse-moi dormir. Pas possible. Frérot, c'est très très chaud, ce qui se passe? Non, c'est trop dur ce qui se passe. Faut vite qu'on se casse d'ici, on retourne à Bruxelles parce que... Plus jamais de ma vie, je mets un pied ici, comme toi tu sais. Quoi, c'est là-bas? Oh. Je suis en stress là, comme ça, tu sais. Oh, quelqu'un? Où ça? Là-bas. Oh putain, c'est des enfants ça. Hein? Quoi? C'est des enfants. C'est impossible! Vas-y, cours! Ouais. Waldo! Quoi? On a vu des enfants dans le couloir. J'en ai rien à foutre, éteins la lumière. Quels enfants, s'il te plaît, laisse-moi dormir. Éteins la lumière. J'ai rien. Oh, les gars, regardez ce que moi et Nassim on a trouvé. Autrefois, c'était une gare qui a vu défiler des centaines de voyageurs. Mais ce n'est pas tout. Il y a une légende, une histoire sombre qui hante ces murs. On raconte qu'il y a des décennies, un tueur en série rôdait ici. Il se cachait dans l'ombre, observant les voyageurs fatigués rentrant tard le soir. Et à l'instant où ils s'y attendaient le moins, ils les attaquaient, les jetant violemment sur les rails, juste au moment où le train approchait. Le claquement sinistre de leur corps percuté par le train résonnant. Vous pensez Nabil, il a disparu comment à votre avis? On sait pas, mais c'est louche cette histoire. Les gars, vous pensez que la disparition de Nabil, elle a un rapport avec cette histoire? On sait pas, mais on doit découvrir ça plus vite. Oh les gars, imaginez, il y a encore quelqu'un de nous qui disparaît encore une fois comme Nabil. On dort pas ici. Ouais, la vérité c'est... On prévient pas Waldo. Hein. C'est mieux de rentrer directement. Impossible. Ok, moi, je te rentre sur Bruxelles. Il faut juste pas faire de bruit. Venons. Mettez-vous à genoux, bande de chiens. Bande de bidons, sale gamin. Hein?
Vous avez chié, hein? C'est ça, les hommes? Vous croyez que c'était des fantômes? C'est lui, hein? Bande de bidons, va. La tarte, elle était bien? C'était moi, depuis le début, hein? Bande de bidons, hein, ça, mais... Les gars, la camionnette, c'est bon. Il a trouvé un dépanneur. Maintenant, normalement, on va être tranquille. Hey, 88, on n'a pas oublié quelqu'un. Non, on a oublié Nabil. On fait demi-tour ou quoi? Ah oula, mais je retourne là-bas, moi je connais pas de Nabil. Hein. Quel Nabil? Non, moi aussi, je vois pas c'est qui.